la classique primaire de hockey de l'école Auclair et de l'école Sainte-Madeleine. Alors, Auclair pour la ville de Saint-Lazare et Sainte-Madeleine pour la ville de Vaudreuil. Donc, c'est un projet qui a déjà été fait dans une autre commission scolaire. Donc, nous, on a pris les grandes lignes, mais on l'a quand même modifié beaucoup. Nous, dans nos classes, au niveau de nos élèves, on a toujours des thèmes là, que, au niveau du français, tout ça qu'on intègre. Et là, c'était le hockey. Donc, les textes de français, c'était du hockey. L'écriture, c'était du hockey. On a même intégré l'art dramatique, l'éthique, culture et religieux, les sciences et tout ça. Un grand défi pour ce projet aurait été sûrement de coordonner le tout, que ce soit au niveau des élèves ou des enseignants impliqués directement dans le projet. On a environ 100 élèves qui sont directement liés à la production de l'émission, que ce soit au niveau de la chorale ou de tous les rôles qu'ils ont à jouer, donc c'était dur de pouvoir coordonner tout ça. En fait, il y a plusieurs rôles qui vont être joués par les élèves des deux écoles. Parmi les rôles, on a un animateur, un journaliste, un analyste et un commentateur dans chacune des écoles. On va aussi avoir des élèves dans chacune des écoles, on va en avoir plusieurs, qui vont être statisticiens, caméramans, aiguilleurs et techniciens. On va aussi avoir un annonceur maison, un marqueur et un responsable de la musique. Puis, bien sûr, on va avoir des joueurs de hockey. Finalement, on aura notre magnifique chorale de l'école Auclair qui va interpréter l'hymne national. Au nom des enseignants du projet et des écoles Sainte-Madeleine et de l'école Auclair, j'ai un message à lancer à nos jeunes. Premièrement, je vais leur dire merci et un gros merci de tous les enseignants. Nos jeunes ont réalisé un grand projet et on peut effectivement dire que c'est nos jeunes qui ont réalisé ce projet-là. Ce sont des passionnés, puis je leur dis merci au nom de tous les enseignants. Et maintenant, on peut dire action, car le projet commence et la partie commence. Et merci beaucoup. Les dragons de l'école Sainte-Madeleine et les éclairs d'Auclair. Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Pascal Laliberté et Jade Bonilla. Et au nom de tous nos collègues, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue à ce reportage. Lors de sa première année de vice, il est un joueur. L'année suivante, il a décidé de changer pour devenir gardien de but. Depuis 7 ans, il garde bien le filet. Jusqu'à présent, il a gagné 2 tournois et il a 26 blanchissages. Il a une moyenne de véloé de 1,75. Maintenant, toi, Mackenzie, pour la joueur clé des éclairs d'Auclair. Pour les éclairs d'Auclair, un joueur qui devrait être un élément clé pour son équipe, le numéro 76, Raphaël Seguin. Il est un défenseur à caractère offensif. Il a déjà 2 buts en 3 parties et il revient d'une sérieuse blessure au genou subi l'an dernier. Maintenant, pour les Dragons de Sainte-Madeleine. Pour nous, notre joueur clé est Gabriel Adjane. Il porte le numéro 33. Il est né à Compton, au Nouveau-Brunswick. Il a commencé à patiner à l'âge de 2 ans et demi. Il a joué novice un an à Tome A et à Tome 2B, Pee-wee A et Pee-wee 2B. Il joue centre, il a une bonne vision du jeu. Habile avec la rondelle, il joue avec eux pour faire de belles passes devant le filet et pour faire de bons jeux. Maintenant, vous pouvez regarder les deux équipes dans leur entraînement avant l'hymne national. Merci.
journaliste en compagnie d'un joueur des Éclairs. Merci, Jacques. Je suis présentement en compagnie de Hugo Coron, le gardien de l'école Auclair. Es-tu stressé pour cette partie? Oui, c'est sûr que je suis stressé parce que c'est mon premier match important là. Penses-tu jouer un bon match? Ben ouais, c'est sûr que je vais faire de mon meilleur pour laisser passer le moins de rondelles possible. Fais-tu quelque chose de spécial avant le match, comme un rituel? Ouais, je fais une espèce de petit rituel, là. Je lance une balle sur le mur, puis j'essaie de l'arrêter après. Merci, bon match, et à toi, Camille. Merci, Mathis. Je suis maintenant en compagnie de Ryan, un joueur de l'équipe Sainte-Madeleine. Bonjour, Ryan. Comment te sens-tu en ce moment? On n'a pas beaucoup de chance de jouer contre eux. Depuis combien d'années joues-tu au hockey? Je joue depuis maintenant 7 ans. Puis je joue plus de 2C au centre. C'est ma première année de 2C. Ben merci beaucoup et bon match. C'est repris par Raphaël Séguin. Raphaël Séguin passe à 17 puis 21. C'est rappelé par Sainte-Madeleine qui est rappelé par Raphaël Séguin. Raphaël Séguin contourne le but et passe à Félix Laroche. C'est rappelé par Sainte-Madeleine. Sainte-Madeleine contourne le but, passe à son coéquipier, numéro 4. Numéro 4 passe au numéro 47 qui passe au numéro 33 qui lance et rate le but. C'est rappelé par le numéro par Auclair qui est pris par numéro et passe la passe et ce sera l'arrêt par le goleur de l'autre équipe. Le numéro 99 prend la rondelle et ce sera intercepté par le numéro 55 Justin Puy prend la rondelle et ce sera intercepté qui sera repris par Sainte-Madeleine d'avance dans son adverse et c'est le but et rate le but. Madame Constantin qui est interceptée par Giuseppe et ce sera repris par Sainte-Madeleine. Ce sera repris par Saint-Anthony Baron. Saint-Anthony Baron contourne le but. Avant, passe à Giuseppe et ce sera un hors-jeu. C'est repris par Sainte-Madeleine. Sainte-Madeleine prend la rondelle. Lance et rate le but. C'est repris par le numéro 66. Tire et rate son tir. C'est rappelé par Salazar qui met ça dans son adverse qui sera rappelé par Sainte-Madeleine qui monte. Et ce sera intercepté par Salazar. Salazar passe à Francis Wilson. Francis Wilson monte dans son adverse. Passe et ce sera intercepté par Sainte-Madeleine. Sainte-Madeleine monte dans son adverse. Monte et ce sera intercepté par Giuseppe Venterino. Giuseppe lance et sera intercepté. Giuseppe intercepte. Dans la zone offensive qui est repris par Sainte-Madeleine. Sainte-Madeleine met ça dans la zone offensive. Sera repris par Saint-Anthony Baron. Saint-Anthony monte, essaie de passer et rate ton passe. C'est repris par Sainte-Madeleine. Je joue et c'est repris par Saint-Anthony Baron. Tu passes et rate son tir. Il met ça dans la zone défense offensive. C'est repris par Sainte-Madeleine passe en rondelle numéro 50, qui est repris par numéro 4, qui passe au numéro 33, qui passe au numéro 47, qui est repris par Raphaël Séguin, quand on a vu. Raphaël Séguin monte. On est joué, qui est repris par Sainte-Madeleine, lance et rate le but. Lance et rate le but. Une autre chance de marquer, mais ratée par l'école Sainte-Madeleine et ça a été pris par le gardien de but Hugo Caron. Raphaël prend la rondelle qui est repris par Sainte-Madeleine. Lance et ce sera l'arrêt. À gauche. De gauche. C'est repris par Félix Larose. Félix Larose monte. Passe à cette passe à Francis qui est repris par Sainte-Madeleine. C'est repris par Sainte-Madeleine. Sainte-Madeleine lance et lance dans les zones adverses. C'est repris par Giuseppe. Giuseppe passe à Arras. C'est repris par
frappé par Wilson, Francis Wilson. Francis Wilson monte en zone offensive. Et ce but se met par Saint-Madeleine avant la rondelle. Passe au numéro 5, 45. Pour la rondelle, lance. Et c'est là, ce sera l'arrêt du jeu. C'est parti pour presque un échappé, mais il a été trébuché alors. Vas-y, le décroît pour la rondelle. C'est arrêté par Saint-Madeleine. Saint-Madeleine passe la rondelle, c'est rempli par Saint-Raphaël. Saint-Anthony Barrault monte et ce sera repris par Olivier Leduc. Olivier Leduc prend monte en zone adverse. Et ce sera arrêté. Saint-Madeleine reprend la rondelle, monte, qui est repris par le numéro 56. Monte. Lance et rate son tir. Il se passe au numéro. Repris par le numéro 40. 3. Passe au numéro 3 et en finale, sera l'arrêt du jeu. Saint-Madeleine a beaucoup la possession de la rondelle. Alors, je pense que ça va être un match plutôt serré. C'est repris par Saint-Madeleine lance et c'est ça l'arrêt. Le gardien de but a laissé. Alors... 1-0 Saint-Madeleine. C'est repris par Giuseppe Joey. Joey monte. Passe à Saint-Madeleine. Avec la passe de Joey Duenoff. Et ce sera Raphaël Séguin.
contourne sans but. Passe la rondelle à Bijou, un joueur qui va intercepter par cette madame. C'est repris par le numéro 50. Passe au numéro 47. C'est repris par Raphaël Séguin. Raphaël Séguin monte en zone offre adverse. 3 contre 2. Elle a des problèmes d'être. Bijou. Bonne chance de scorer car ça a été enlevé par les Saint-Madeleine. Et la mise au jeu sera prise sur la ligne bleue des éclairs d'Auclair. C'est repris par Anthony Baron. C'est Anthony Baron, passe à Giuseppe Venturino. Giuseppe monte à zone adverse. Bon, c'est incertain. C'est repris par Saint-Madeleine. Saint-Madeleine monte, passe à son coéquipier. C'est repris par le numéro 4, 30. C'est repris par Francisco Hilton, Francisco monte. On va en dire. Lance et... C'est un tas de plus par son moment. C'est repris par Joe et Zan. C'est repris par... Par une autre. C'est un tas de morange. Contourne l'or sans but. Passe du tapis. C'est repris par Saint-Madeleine. Saint-Madeleine pense à Giuseppe Venturino. Giuseppe monte à son adverse. Intercepté. Bon. C'est repris par Saint-Madeleine. Il reste 47 secondes. C'est sera repris par Olivier Leduc. Olivier Leduc monte en zone adverse. Lance et rate le but. C'est repris toujours par Olivier Leduc. Olivier passe la rondelle qui se rend hors jeu. C'est repris par Raphaël Séguin. Raphaël Séguin dit contourne. Le but. Passe à Olivier Leduc. Olivier Leduc passe à Macatan. Allons. C'est repris par numéro 3 de Saint-Madeleine. Saint-Madeleine lance et rate le but. Ce sera un arrêt de jeu. C'est un match très serré entre les éclairs d'Auclair et les dragons de Saint-Madeleine car tous deux jouent un très bon match. C'est repris par Saint-Madeleine. Saint-Madeleine prend la rondelle. C'est repris par numéro 1 de Saint-Madeleine. Et c'est fini! En fait, il y a eu 5 tirs au but pour les Dragons et 6 tirs au but pour Auclair. Alors, c'est ça. Il n'y a eu pas de punition et pas de blessure pour la dernière minute du jeu. Compagnie de Marc-Anton Lalonde, numéro 91 des éclairs d'Auclair. Quelles sont tes impressions de la première période? On joue très bien. Le but, c'était très beau. Salut Francis. Moi, je suis fier de nous. Si on continue de même, on a des grandes chances de gagner la partie. Crois-tu avoir eu de belles opportunités de marquer? Pas encore. J'espérais de marquer, mais j'ai pas encore eu d'opportunités. Il faudrait que je fasse des points pour pouvoir gagner et aider l'équipe à gagner. Aimes-tu jouer pour l'école Auclair? Oui, parce qu'on a beaucoup d'amis que genre, on se connaît bien. On aime ça jouer ensemble, on joue dans la même équipe, il y a beaucoup entre nous. Puis c'est genre comme, c'est le fun de jouer comme ça, là. On est dans la même classe, puis c'est le fun d'avoir une classe hockey comme ça. Merci, bonne deuxième période, à toi Camille. Merci Mathis, je suis maintenant en compagnie de Michael, un joueur de l'équipe Sainte-Madeleine. Bonjour Michael. Comment as-tu trouvé ta première période? Je suis assez satisfait de ma performance. C'est sûr qu'il y a toujours place à l'amélioration. Mais j'ai gardé la tête haute, puis j'ai fait des belles passes, j'étais bien positionné, puis j'ai pris des bons tirs au filet. As-tu hâte de rembarquer sur la glace ou tu es stressé? C'est sûr que j'ai hâte, mais j'étais un peu stressé parce que la partie est quand même assez serrée. J'ai confiance en moi puis mon équipe, puis on va travailler fort.
Merci beaucoup et bonne fin de match. La mise en jeu sera gagnée par les Dragons de Sainte-Madeleine. Une bataille sur devant le banc des Dragons. Défenseur reprend la rondelle. Passe au numéro 33. 33 en ennemi. Tire. Rate le but. La rondelle se dirigera derrière le filet. Avance devant le filet. Tire et c'est le but! Quel beau tir de Gabriel avec juste avant un autre de ses tirs dans le coin. Ça fait 2-1. Alors, la mise au jeu se reprendra au milieu du terrain. Mise au jeu gagnée par les Dragons de Sainte-Madeleine. Déclare, reprend la rondelle. Passe devant le filet. Tire! Par-dessus le filet. Le défenseur trouvera la rondelle sur la bande. Intercepte la passe. Le défenseur prendra la rondelle. Il lance sur la bande. Le défenseur rentre la rondelle. La rondelle se dirigera hors de la zone. Au clair, dégagement. Repris par les Dragons. Le défenseur fait une passe par la gauche. Rate sa passe. La pelote se dirige derrière le but. Fait la passe devant le but. Les éclairs reprennent la rondelle. Avance vers le but. Dragon tire. C'est l'arrêt. Dragon passe. Sur l'homme de la bande. Le défenseur tire. Et la pelote ne se rendra pas jusqu'au filet. Les éclairs fait. Rate leur passe. Lance sur la bande. Ce sera un dégagement de la part des Clars. Sainte-Madeleine reprend. Passe à Yannick Drouin. Ce sera intercepté par les numéro 98. Les Dragons au début ont été un peu dominés, mais ont réussi à sortir de leur zone. Et c'est après, ça a été les éclairs qui ont été bombardés de plusieurs tirs. Leur goaler a fait quelques arrêts assez surprenants. Alors, la mise au jeu se reprendra hors de la zone des Dragons. Mise au jeu gagnée par les éclairs d'Auclair. Le défenseur. Passe numéro 98. C'est intercepté par le défenseur. Auclair. Dans leur zone. Lance sur la bande. Repris par Olivier Leduc. Qui rentre en zone ennemie. Et perd la rondelle. Passe au numéro 44. Tire frappé du numéro 44. Devant le but. Le puck est à lire. Et Alex Laviolette reprend la rondelle derrière le but. En avant du but. C'était dangereux. Passe à l'île gauche. Auclair reprend dans le coin gauche. Ce sera une petite bataille entre le numéro 40 et le numéro 44. Ce sera un dégagement par Auclair. Ce sera un dégagement refusé. Je crois. Les éclairs d'Auclair ont un peu été dominés, alors ils ont été obligés d'utiliser le dégagement. Jeu gagné par Auclair. Repris par les Dragons. C'est au nez, au filet. Sera intercepté par Auclair. Le défenseur gauche reprend la rondelle. Auclair rentre en 3 contre 2. Tire par-dessus le filet. Gabriel. Adjane rentre en jeu. Rentre en zone ennemie. Seul dans l'enclave. Tire. C'est l'arrêt. Derrière le filet. C'est raté. Passe à Hussein. Hussein rate la passe. Sera au fond de la zone des Dragons.
Ça prie par Vincent Bolduc. Tu passes à Yannick Drouin. Ça fait intercepter par le numéro 27. C'est le numéro 27, c'est dans l'arrêt. Les éclairs ont manqué une très belle chance de marquer en 3 contre 2, mais le joueur a décidé de tirer. Et les dragons aussi ont manqué une très belle chance. Il aurait pu faire une belle passe devant le filet Gabriel, mais il a décidé de le contourner et d'essayer de faire un... de passer derrière le filet et de scorer. Ça sera gagné par les dragons d'Auclair. Non, sur la bande. Une petite bataille dans le coin. Droit. Derrière le filet, les éclairs. C'est intercepté par le... devant le but. Ça va. Et les gauches des dragons d'Auclair. Tire au filet, c'est l'arrêt. Les éclairs encore ont manqué. Les dragons ont manqué encore une belle chance. Salut aurait pu faire une belle passe devant le filet, alors que l'autre joueur avait le filet ouvert. Alors la mise au jeu se reprendra en zone offensive pour les dragons de Sainte-Madeleine. Les éclairs, au numéro 88. Contre en zone ennemie. Contourne le défenseur. Voilà. Ça sera pris par l'ailier droit. Passera à l'ailier gauche. Rentre dans l'enclave. Tire et ce sera intercepté par les éclairs. Derrière le filet. Les éclairs apprend. En zone 9. Numéro 76 des éclairs. Passe derrière le filet. Le défenseur gauche. Ça fait attirer. Tire. Et le défenseur arrête sa rondelle. Le numéro 40. Passe derrière le filet. Ce sera les éclairs. Qui passera directement sur la palette du défenseur. La boxe sera libre. Repris par les éclairs. Qui sort de leur zone. Numéro 27. Tout seul. En prêt à tirer. Tire, c'est quel arrêt du goal de Dragon Sainte-Madeleine. Repris par les éclairs. Ce sera ensuite intercepté par le numéro 33 de Dragon Sainte-Madeleine. Ensuite, ce sera une collision entre les dragons et les éclairs. La pop, seul face au défenseur. Sera remis dans le coin, repris par Gabriel Adjan, qui dégage la rondelle. Dégagement refusé. Quelle belle chance manquée par les éclairs tantôt avec son super déjou, mais malgré, il a quand même raté. Petite bataille sur la ligne bleue. Tente de trouver la rondelle par le défenseur. Il passera par-dessus les têtes des joueurs. La rondelle sera reprise par le numéro 47. Ensuite, le dragon d'Auclair sera intercepté par le défenseur des dragons. Sur la ligne, devant le filet, excusez-moi, devant le banc des joueurs d'Auclair. Auclair reprendra contre son ennemi. Tire l'arrêt de Hugo. Je suis à fond. Derrière le filet, Auclair. Contre le filet. Tire et reste le filet. Devant le filet. L'arrêt de Hugo. Je suis à fond. Les éclats d'Auclair ont manqué une autre belle chance de scorer. S'il voudrait gagner ce soir, il faudrait qu'il y ait encore beaucoup de chance et beaucoup plus de tirs. La mise au jeu est repris par Dragon de Sainte-Madeleine. Entre son ennemi. Auclair, ça prend la rondelle. Ça sera 2 contre 2. On va filer, tire. C'est raté. Derrière le filet. Fait un lob jusqu'à l'avant du filet. Ça sera repris par les Dragons de Sainte-Madeleine. Entre son ennemi. Passe. Il rate sa passe. Le défenseur droit tire jusqu'au filet, c'est le but! À
Alex le violet de la ligne bleue, d'un peu dévié entre les deux, entre les jambières du goleur Hugo. C'est sûr, gagné par les dragons de Sainte-Madeleine. Le numéro 6 tire le filet. Ça rate le filet. Au clair, on prend la rondelle. 33 ans et demi. C'est au filet, elle ne se rendra pas. Derrière le filet, dragon. Au long de la bande. Le numéro 6. Rate. La passe du numéro de la part de Michael Auger. Sera au clair, derrière le filet. Passe au numéro 88. Intercepté ensuite par Lucien Cano. Sera repris par le numéro 40. Au numéro 6, devant le filet. Elle se fait intercepter par le numéro 27. Le défenseur des dragons tire au filet. Le tir sera intercepté par Rouclair. Numéro 3. Prend la rondelle. Rejette au fond de la zone. Repris par Rouclair, le numéro 55. Ensuite, la boxe. Mise au jeu. Gagné par les dragons de Sainte-Madeleine. Rejette au fond de la zone de Rouclair. Auclair, numéro 55, qui sera intercepté par Vincent Bolzic. Numéro 33, on va lui passer à Zachary. Et le goleur interceptera en face. Toujours aucun tir de la part des deux équipes, mais ça va finir 3-1 pour la marque finale. Les Sainte-Madeleine ont fait 17 tirs au total. Ils y ont fait 3 buts. Nous tenons à remercier tous les membres de notre équipe. Les techniciens, Jérémy Durette, Charles Martin et Jérémy Larrivé. Les caméramans, Jonathan Lepage, Simon-Olivier Doré, Samuel Deschamps et Félix Saint-Denis. Les statisticiens, Olivier Leduc, Nathan Godet et Emmanuel Richard. Marqueur, Samuel Pitot et Charles Bourgo. Pour terminer, les commentateurs, Frédéric Lavoie et Xavier Ménard. Aiguilleur, Jacob Trudel et Michael Desrochers. Et Eldrick Dubord, annonceur maison, Cédric Hurst. Maintenant, aux journalistes. Merci Pascal. Je suis présentement en compagnie de Raphaël Séguin, le numéro 76 de l'école Auclair. Penses-tu que ton équipe a bien joué? Oui, on a fait des belles passes, on a eu beaucoup d'opportunités de marquer. Es-tu fière de ton match? Oui, j'ai fait des belles passes, j'ai fait des tirs au but. Crois-tu que tes coéquipiers ont fait assez de passes? Oui, même les défenses en ont fait beaucoup. Je suis maintenant en compagnie d'Alexandre, un joueur de l'équipe Sainte-Madeleine. Bonjour Alexandre. Bonjour. Es-tu fière de ton match et du travail de tes coéquipiers? Oui, on a bien joué, on a fait quelques erreurs, mais... On a travaillé fort, on a joué en équipe, on a fait des belles sorties de zone, on a eu des belles chances de marquer, on a eu des beaux tirs, puis on a eu la chance de prendre des retours. Trouves-tu qu'Hugo a bien gardé le filet? Oui, Hugo nous a tenus dans le match et il a fait des très belles arrêts. Trouves-tu que l'autre équipe a bien joué? Oui, ils ont travaillé fort, mais ils sont désavantagés car... c'est la première rang qui joue ensemble et ils ont un an de moins que nous. Merci beaucoup et je vous laisse maintenant avec Jade et Pascal pour la fin de ce match. C'est tout pour aujourd'hui.